Normalement, voilà, ça va être le début de la partie 4. Alors je tiens à m'excuser pour le son. J'ai commandé un micro Rode. J'aurai d'ici quelques jours un bien meilleur son. J'ai bien conscience que ce micro-là est pas terrible et ça grésille sur les P et les T. Donc c'est pas agréable. Je vais recevoir un nouveau micro. Donc comme je dis toujours, les puristes doivent rectifier de même en temps réel pour le son là pour le moment. Donc là, on devait pour cette partie 4 trouver un restaurant de sushi. Mais alors je sais plus du tout pourquoi trouver un restaurant de sushi. Il était bien là où le propriétaire du Club Amour est dans un. Ah voilà, on doit retrouver le propriétaire. Toujours, j'ai envie de courir avec L3, mais non, pas dans ce jeu-là. Dans celui-ci, c'est X ou L2. Allez, venez les cons. Voilà. Pourquoi il... Je vais courir contre le mur. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça que j'aurais faire. Allez. Voilà. C'est ça que j'essayais de faire depuis un petit bout de temps. Et là, normalement, je vois l'idée en fait. Ils sont tout seuls quand on court contre le mur. Et après, avec carré, triangle et rond, on peut effectuer divers mouvements. Au niveau de ma vie, je suis comment? Voilà, je suis pas trop mal. Ah, à chaque fois, j'ai envie de courir, c'est terrible. Donc, on doit retrouver le propriétaire du club pour savoir un petit peu ce qu'il en pense. Mais va te faire foutre, toi. Voilà, là j'ai bloqué. Ah merde, j'ai oublié j'ai manqué. Alors, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Donc voilà, maintenant ça fonctionne bien. Je vois ce que je dois faire. J'ai aussi changé de caméra. Hein. Ça fait longtemps que j'ai celle-ci. Elle est pas terrible. Donc. Voilà. あ、荒垣さん。あのね。なんだよ、あんた。矢上探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ。俺よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。いや、本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。 Eh ben faut mettre une photo où on le voit. Caméra de sécurité extérieure du Club Amour, 21h. Il était 21h le soir de l'incident. On voit Kume, la victime du meurtre, entraînée de force à l'intérieur du Club Amour par Amura et 4 membres de la famille Matsugane. Aussi Muramase, Amine. Non, faut le voir quand il sort. À 22h le soir de l'accident, on peut voir les membres de la famille Matsugane sortir de l'amour avec le propriétaire du club. Voilà. Voilà, c'est toi là. これだ。事件当日、あんた松金組の連中と一緒にハムラが出てる。この時店にいたのがハムラの頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。ハムラを弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか。 Bon, il va parler, c'est très bien. Il va enfin se confesser, hein, ce petit bâtard.
へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。 12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの3、4人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。 その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の2人きりになった。ああ。 なんで頭はみんなを店から返したんだ。なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと2人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。 La caméra à l'arrière. Ouais, pourquoi elle est cassée là? Oh, いつから?先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせ元々録画もしない飾りだったから。なんだそうだったのか。 Au sujet de la violence. 久米がリンチされてた時、あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報？しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭叩いたり、 小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。はい、ファボン。ドキュメントナンス、オシジェ・ラ・レポンス・ポリシア。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に。今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。 被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ、だから、ここが殺しの現場じゃないかって、そう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか。あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。 そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう。助かったよ。もういいんだね。OK, donc la mise à jour. Merde. Le propriétaire du club Amour, une vidéo de sécurité montre Aragi, le propriétaire du club Amour, partant à 20h la nuit du crime. Ok, d'après la vidéo, Amoura l'a obligé à sortir. D'après le témoignage d'Aragari, seul Amoura et Kume sont restés à l'intérieur du club quand il a quitté les lieux. Bon, ça nous avance pas énormément. Hein. On n'est pas plus avancé. Allez, on se casse. On s'arrache. Salut les tocards. Bon, excusez-moi, je fais un peu la merde chez vous là. Ah.
Ah, j'ai un appel. C'est mon pote. Kaito da. Ima doko ni iru? C'est les Kato. Ano de deta toko. Spondori. Amur? Matsugane gumi ga ketsumochi shite ru mise da yo na. Ah. Jiken no ban, sono mise ni Hamura to higaisha ga 2 de itan da. Sore yori nani ka atta? Ah. Sochi ga sundan nara, jimusho ni modotte kure. Nande? まあ、急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。Oui, alors pour les gens qui sont sur PS4, je n'ai pas accès au chat. Il faut me... Si on veut m'envoyer un message, c'est sur Twitch. Et mon adresse, c'est bosseron14. Et très prochainement, j'aurai un meilleur micro. Enfin, j'aurai un très bon micro même, un Rode. Et je vais m'acheter une meilleure caméra également. Ouais, en fait là je suis derrière, bon c'est là où il a été balancé, je peux pas me barrer a priori. Il faut que je sorte par l'autre, enfin par l'entrée principale. Et puis après cette partie 4, j'irai continuer à écrire parce que moi, à la base, je suis pas... Enfin, moi, je suis pas streamer du tout. Hein. Je fais ça pour le plaisir, ça m'amuse. Moi, je suis écrivain. Et si je peux me faire un peu de promo, dans toutes les librairies actuellement, vous pouvez trouver mon nouveau roman aux éditions LBS, d'Ilisco Albin Michel, La dissidence des Cancrela. C'est mon nouveau, c'est mon second roman. J'ai publié un premier roman Vermine en 2018. Et là, le deuxième vient de sortir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, mon nom en d'auteur. Enfin, mon nom, c'est Romain R. Martin. J'écris du roman noir. Donc là, on retourne à l'agence. Ah, mais va te faire enculer, toi. Alors, je vais faire ma technique sur le mur. Normalement, voilà. C'est ça que je voulais faire. Alors, je suis désolé. Pour ma petite toux. D'ailleurs, est-ce que je peux m'upgrader un petit peu? J'ai combien? Ah oui, parce que c'est sur la caméra à chaque fois. J'ai 750. Puissant lancer déclenché par un saut mural qui élimine les ennemis environnants. Vous pouvez arrêter une attaque mortelle. Là, c'est triangle. Appuyez sur rond. Bah, je prends ça. Utilisez les ennemis comme tremplin pour leur sauter par-dessus. Vous trouvez derrière et appuyez sur tout en cours vers un ennemi. Ouais. Montez sur un ennemi pour le déstabiliser. Diffère légèrement selon les styles de combat. Appuyez sur 1 tout en courant. Je l'ai déjà acheté. Je vais prendre ça. Ça va me servir plus tard. Voilà, vous permet de voir une ligne de césure lors du crochetage. On va crocheter donc après. Bon, ok, je rentre à l'agence. Ah, il y a une femme.
Go kigen yo, Yagami-kun. Procureur, Mafuyu Fuji. Ittoku kedo, Mafuyu-chan, omae to yori modoshi ni kita wake janai zo. Yori modosu tte. Tsukiyau made itte masen kara, watashi tachi. Shitsurei shimashita. Kenji-dono.仕事の話で来たの当然だけど仕事松金組若頭羽村恭平の例の事件検察の起訴にしたから矢上君も絡んでるんでしょ早耳だな源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの沙織さんから聞いたのか相変わらず仲いいな当たり前でしょ幼馴染だもん それに大学同期かさ羽村の件だけどもう起訴なの逮捕したばっかりなのに担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい逮捕するまでずっと泳がせてたんだってその担当検事っていうのは泉田検事なんかそんな気がしたんだ泉田って ターボーが無罪取った時の検事か。ああ、3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。 Elle est un peu déçue. Elle est un peu déçue de notre attitude. 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 Elle pensait pas que l'on allait côtoyer les yakuza. Elle est déçue de notre attitude, c'est typique. Typique chez les femelles. La déception. Je plaisante, hein, naturellement. Mahuyu. Yagami-kun,何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか。君がYagami弁護士。 Procureur général. Morita. Kochira Morita Kenji-sei. Voilà, Morita, c'est plus simple. Gozonji, Izumida Kenji. Hisashiburi da na, Yagami-sensei. Hotei ni tatsu kimi o mirare naku natte, zannen ni omotte ita. Procureur Keigo Izumida. Ah, putain, pour se rappeler de tous les noms, c'est quand même assez complexe. いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあ、また。君は今、探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのに、もったいないな。 あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。おー、さま。どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろ、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。
Ah, ça va. On a libéré un serial killer, ça va. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça arrive. いや、なんでもね。で、仕事の話だけどよ。次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあその少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。お。Oh tiens, c'est Tsukumo. Ah oui, pardon, j'ai reçu un message. Makoto Tsukumo. Vous êtes embêté, Yagameshi, mais j'ai un petit service à te demander. C'est qui déjà, Makoto Tsukumo? Ah, c'est le mec, c'est le hacker qui vit reclus devant son ordinateur dans le cybercafé. Vois-le simplement comme une compensation pour la dernière fois. Pas de problème, de quoi as-tu besoin? D'une figurine. J'en cherche une et apparemment on pourrait la trouver à Ebisu. Logique, puisqu'elles sont en série limitée et épuisées partout ailleurs. C'est ma seule chance de l'obtenir. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Ibizu. Il doit vouloir dire la boutique d'occasion. Ce n'est pas très loin. Tsukumo m'a toujours aidé. Je lui suis donc redevable. Le pauvre gars ne se sent jamais à l'aise dehors. Un peu comme moi, qui vit reclus. Oui, ouais, bah, c'est vrai que c'est pas très loin puisque c'est juste, c'est juste derrière. C'est sûr que c'est pas très loin, ouais. Non. J'ai du mal encore avec l'architecture nippone. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ici? Oh, c'est bien achalandé. Ils vendent des sacs de sport. Mais ils vendent des sacs. Bon, c'est pas ici quand même. Bienvenue, monsieur. Je suis là pour acheter. Ah, j'ai assez, un figurine star d'amour. La figurine dont Tsukumo a très envie. C'est apparemment un précieux objet de collection. Allez hop. Qu'est-ce qu'il vend d'autre? Bon, on verra ça plus tard. Arigatou. C'est les figurines que veut Tsukumo, mais comment savait-il qu'elle était disponible dans cette boutique d'occasion? Bon, je pense que je vais la lui remettre, pardon. Je suis un peu dyslexique, hein, j'ai un petit peu de mal à lire parfois. Alors. On va aller lui rendre visite dans son cybercafé. Ah, je suis content, j'arrive à maîtriser le saut contre le mur, l'attaque. C'était quelque chose qui me posait souci. Merde, alors. Voilà. Voilà. Voilà, bon, je me suis servi de ce que j'avais débloqué. Je suis content. J'ai fait le saut contre le mur avec le bouton rond. Alors là, on va faire un. Voilà! Donc lui, en fait, il faut que je me souvienne, hein, que je regarde pas toujours la map. Il est dans un cyber. J'aimerais bien voir l'entrée de par moi-même.
Allez. Putain, mais j'arrive pas à le bloquer. Soigner. Je pense pas que j'en avais besoin, mais c'est pour apprendre le gameplay un peu. Ok. Donc on rentre par là. Que je me souvienne, c'est voilà, c'est partie karaoké. En fait, à l'intérieur, c'est un cyber. Ok. Alors je sais où il est maintenant. Je te ramène la marchandise. C'est celle-ci, hein. Ouais, c'est la bonne. Merci beaucoup. Combien c'était ? Non, c'est pour moi. C'est une compensation pour la dernière fois, tu te rappelles? Vraiment? Et c'est plutôt généreux de ta part. Pas de problème. Mais ça n'aurait pas été plus rapide d'y aller toi-même. Yeah. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très occupé. De plus, il y a ses précommandes sur le point d'ouvrir. Il faut rester au poste de combat. Ah, tu as toujours une bonne raison de rester cloîtré, hein? Tu ne changes pas? Non, je ne devrais pas dire ça. En fait, tu t'es beaucoup amélioré. Et tout ça, c'est grâce à toi, Yagamichi. J'aurais pu ne plus jamais avoir de contact humain si tu n'étais pas venu à ma rencontre. Ah. Ouais, en parlant de ça, tu as fini par mettre le pied dehors juste pour aller te planquer dans un cybercafé. Eh bien, ça coûte pas cher et Internet est rapide. Que demander de plus dans la vie? Et puis, pour un informateur, c'est le lieu idéal pour installer sa base d'opération. C'est vrai, tu as toujours été d'une grande aide, c'est sûr. En tout cas, j'ai de la chance de t'avoir. Je te retourne le compliment. Ok. Alors, on a notre... voilà, si vous vouliez d'amitié avec une personne, vous recevrez parfois des objets de sa part en lui rendant visite. Si vous n'obtenez pas d'objet, essayez de revenir plus tard. Oh putain. Le pouvoir de l'amitié. Allez hop, c'est bon. Ça doit fonctionner comme dans tous les jeux. Et ok, il est occupé. Ok, très bien. Donc ça, c'est mes messages. Au niveau de mes PA, j'en ai 293. Acrobatie murale, propulsez-vous d'un mur et profitez de ces ans pour asséner à une frappe aérienne. Oui, ça m'intéresse. Alors oui, ça c'est encore un peu compliqué pour moi, hein. J'en suis pas là. Tabasser les ennemis tout en esquivant leurs attaques à la manière d'un ivrogne. Yagami semble sans défense, mais ce n'est qu'une ruse. Consommer un, appuyer sur un. Près d'ennemis quand l'état des brises est à 6 ou plus. Non mais j'en suis pas là non plus. Les fils de fer cassent moins en forçant à attaquer. Bon, je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est encore, mais... Allez, voilà. À
Allez hop, on est rebelle, on prend l'escalator à l'envers. Hop. Attends, je vais aller m'acheter de la bouffe. Parce que j'ai... Si on tombe sur un boss ou quelque chose comme ça. Là c'est le taxi. Putain, j'ai vraiment du mal à comprendre. Tiens, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi ce truc là? Retrouve ça me fait penser à mon roman d'ailleurs hein. On se retrouve sous la ville. Ah oui, d'accord, ici on opère hein. Et on revend ses organes. Ouais, en fait c'est un espèce de petit raccourci. Mais du coup, je voulais parler au clodo. Tiens, mais je voulais m'acheter à manger, mais on peut se lier d'amitié avec lui, donc ça va être parfait. Bienvenue, monsieur. Oui, j'ai 14 000, c'est bon. On peut pas acheter pour plus tard. Ah non, on peut acheter que des. On peut acheter que des trucs à emporter. Là, c'est des trucs à consommer tout de suite. C'est un restaurant. Oh bah, je suis juste à côté, c'est parfait. Bah, mais là, je vais acheter un truc. Salut Coco. Oh, on est pas... Bienvenue chez Popo. C'est plus le blague de tout à l'heure. Aimeriez-vous en savoir plus sur le programme musical que nous organisons? Oh non, ça c'est les quêtes secondaires un peu à la con japonaise. Oui, pourquoi pas, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour chaque achat de 700 yens, vous gagnez un point. Au bout de 10, vous gagnez un super prix. Et de quoi s'agit-il? D'un disque en édition limitée qui vous ravira à coup sûr. Et ce n'est pas tout. Chacune de nos agences propose un disque différent, alors visitez-les à votre gré. Il y a bien un tourne-disque au bureau. Libre à vous d'essayer quand vous voulez. Alors mes achats cumulés chez Popo me donnent droit à une récompense. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Ouais, bon, je vais faire ça. Je vais prendre... je vais prendre ça. Je vais en prendre 3. Et un truc XL. Attends, où c'est que j'ai vu ça? Pour un chat qui me vient de main. On peut fumer aussi. Attends, j'ai vu des clopes. Je prends des clopes. Je vais prendre ça. Merci de votre visite. Avec votre achat d'aujourd'hui, votre total de points augmenté de 4. Bah, je vais acheter le disque tout de suite. Je vais acheter 6 trucs.
me fait combien là? 3000. Oh, putain. Bah, je vais racheter un truc. Je vais acheter de l'alcool. En même temps, c'est cher. Et une boîte de chat. Et un paquet de mouchoirs. Peut-être que ça me servira plus tard. Voilà. C'est bon, j'ai accumulé les 10 points. Je vais avoir un disque. En édition limitée. Alors c'est le 33 tour du Popo sur W Sishi Fuku. Ah ben j'ai eu 500 PA, ça valait le coup. Appelez des renforts. Liez-vous d'amitié avec les habitants pour effectuer des liens EX avec certains d'entre eux. Les liens EX sont comme des actions EX normales, mais elles ne peuvent être déclenchées que là où se trouve votre allié. Alors si vous trouvez quelqu'un en ville qui pourrait faire abonner, ne manquez pas cette occasion. Ok. Très bien. C'est une bonne idée. Ok, donc là, on retrouve voir le détective. Ah, je voulais mettre mes items au bon endroit. Mais bon, il y a la cinématique. Dans un. Oi, Agami. Nande saki ni Kaito dake kosase tan da? あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく。お前も座れ。Je sais plus où je place mes où je place mes items. Non. Voilà les raccourcis. J'ai un truc que j'en ai acheté. Voilà, du Oden. Je vais le mettre là. Jack Daniels. Je vais mettre l'assortiment de sushi. Et ici un extrait pour augmenter les fréquences d'objets abordés par les méturés 180 secondes. Ok. Et je vais mettre le Jack Daniels ici. Et puis voilà. Et le bouton du bas c'est pour changer de style. Ok, donc ça c'est bon. C'est la nana Mafuyu. Ok, prenne ça. Parlez à Shintani. Bah, il est où Shintani? Ah, bah, il est là. Oui. Autant pour moi, hein, toutes mes confuses. Shintani. Jiken no sosa shirio ga te ni haita. Jiken no nagare, kanshiki no kekka. Sore ni, kensatsu ga no shitou suru Hamura yuzai no story da. なるほど。どれどれ。その前に。ん？お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神。そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん？わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。
À propos du mode recherche rapide. Le mode recherche rapide est utilisé quand vous examinez des preuves. En mode recherche rapide, une vue globale de l'objet en question s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Ok? À droite de l'écran, vous verrez une image agrandie de la zone ainsi qu'un curseur. Ok? Donc un zoom. Les différents éléments de la preuve que vous pourrez examiner apparaîtront sur cette image agrandie. Appuyez sur X quand le curseur passe sur un élément pour l'examiner de plus près. Ok? Étudiez minutieusement. Minutieusement. Pas déconner. Votre preuve et répondez à tous les objectifs afin d'achever l'enquête. Ok. Ok. Nanda. Ok, d'accord. Donc je vais examiner. Higaisha wa Kansai Kyōrei Kai no kumi, Kume Toshiro. Shitappa de tokuni katagaki mo nai. Itai ni karuku boukou sareta ato wa aru ga, chokusetsu no shiin wa gankyū o tsukisashita kizu da. アイスピック状の狂気が脳にまで達したと見られる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した狂気を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から狂霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。Quelque chose cloche. Si c'est là que le meurtre s'est produit, où est le sang? どこだ？Ah oui, donc le... Non, je regardais en haut à gauche, ça clignote, mais ça clignote toujours. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? Ça, on l'a déjà fait. C'est vrai qu'il a pas de sang sur lui. Hein. Là, je vois pas. Dokoda. Quelque chose cloche. Enfin, il va peut-être marquer ça pour chaque photo. Quelque chose cloche. Bah, on sera sur la quatrième partie. Je vais faire une pause là maintenant. C'est le petit. C'est le climax de la vidéo. On va savoir ce qui se passe dans la prochaine, dans la cinquième partie. Je vous embrasse tous très fort et soyez très sages.